Les mods, vous le savez, je suis collectionneur. Je suis fan de figurines. Et en ce moment, je suis fan de vous apprendre des choses sur les personnages que je collectionne en figurines. Aujourd'hui, ben on va parler de deux nouveaux personnages et là, on va s'attacher à l'univers de Deadpool. Deadpool, vous connaissez sans doute via les derniers films, pour ceux qui ne connaissaient pas les comics, mais je vous invite à aller voir les comics et vous faire une idée plus sympatoche du truc. Avant toute chose, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à aller en description sur Pop in a Box et profiter du code promo -20% pour tes premières commandes de pop. Ça sera utile à ton porte-monnaie. Voilà, c'est tout. Trêve de galéjade, passons. Alors aujourd'hui, deux pop de l'univers Deadpool. Je vais pas te le cacher, en gros, c'est presque de Deadpool. Presque, parce que il y en a un, c'est un Deadpool bizarre. Et il y en a un, c'est un Deadpool venomisé, un Venom Deadpoolisé. Allez, je vous présente celui-là en premier d'ailleurs. Les mods, voici la pop de Venompool, juste ici. Qui est plutôt badass de chez Badass. Mais alors, attends, déjà, je devais expliquer qui est Deadpool. Mais alors là, Venompool, mais ça va être tendu. Mais non, parce qu'en quelques minutes, je vais t'en dire tellement que tu sauras qui c'est sûr. Allez, c'est parti, petite explication sur le personnage. Déjà, Deadpool, ben, à la base, c'est Wade Wilson. Wade Wilson, c'est un gars qui est tranquille dans sa vie, tranquillou, voilà, tout ça. Sauf qu'un jour, ben, il apprend qu'il a un cancer qui commence à passer dans tout son corps, organe par organe. Et du coup, ce cancer ben, va le tuer, forcément, puisqu'il est incurable. On lui propose ben, de soigner ce cancer en devenant, ben, en gros, le anti-héros le plus badass de tous les temps. Il devient donc Deadpool, un être immortel à qui tu peux couper les bras, les jambes, la tête et tout. Et mais ça repousse tout le temps. Voilà, ça met du temps à repousser, ça fait mal au cucu, mais ça repousse tout le temps et le gars mais, reste tout le temps vivant, tu le sais. Donc je le disais, pour sauver son cancer et pour se sauver de son cancer, il accepte de devenir cobaye dans le cadre du département Arme X. Arme X, tu comprends, un peu X-Men. L'expérience, mais c'est un échec, elle échoue et il est considéré un peu comme un rebut, un gars qu'on laisse de côté, voilà. Il est pas aimé quoi. Il sert ensuite de cobaye à un autre professeur qui lui est un peu sadique et du coup il lui transmet le pouvoir de régénération. Voilà, en gros il s'auto-régénère dès que il perd un membre, dès qu'il va mourir, dès qu'il a un souci, sa peau, ses blessures disparaissent, ses membres repoussent, c'est plutôt sympa. Quoique c'est quand tu veux te suicider, quand t'as perdu ton amour, quand t'as plus de famille, quand t'as plus personne et que tu veux en finir, tu peux pas en finir. Donc en gros, le gars, il allait mourir d'un cancer, il revit, sauf qu'il est tout brûlé, il est dégueulasse, c'est un rebut. Au final, il a plus personne, et au final, le gars veut mourir. Il peut pas mourir parce qu'il est immortel, le gars. En gros, il a le même pouvoir d'auto-guérison que Wolverine. Mais Deadpool, à part son truc d'auto-guérison, il sait manier les sabres à la perfection, il sait manier toutes les armes à la perfection, il est blindé d'armes et de sabres, de toute manière, sur lui. Il a deux sabres et du coup, des mitraillettes, tout ça. Il prend alors le nom de Deadpool, Cagnotte du Mort en français. Et ce nom, en fait, il vient en référence du jeu auquel jouaient les gardiens, là où il était détenu en fait. Il essaye d'agir en héros et de combattre un peu à sa manière un peu, un peu gore et un peu très drôle, si vous avez vu le film, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, Deadpool c'est fini, mais par contre là, on parle de Venompool. Donc Venompool c'est quoi? C'est qui? C'est le mix entre Venom et Deadpool. C'est une version alternative du Deadpool. En gros, pour faire simple, c'est une version multidimensionnelle de Deadpool, dans laquelle le symbiote Venom prenait possession du corps de Deadpool et voilà, créait un personnage dans une réalité alternative. Voilà, c'est très complexe. Je préfère que tu fasses des recherches, voilà. Sinon, la pop en elle-même, elle vaut quoi? Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà la pop de Venompool, elle est magnifique. C'est vraiment le mix parfait entre Venom et Deadpool. Vous avez vu la tenue qui est celle de Deadpool et vous avez vu surtout la tête qui est celle de Venom avec la langue, les dents, les yeux. Voilà, on reconnaît très très vite la face de Venom avec le corps et la tenue de Deadpool. Cette pop, elle fait partie d'une série qui est celle-ci, voilà, où vous avez quand même le duck dans le robot qui est plutôt super cool aussi et qui fait de l'œil, hein, je ne le cache pas. Voici Venompool, et comme les pop Marvel, c'est une bubblehead, comme toutes les pop Marvel d'ailleurs. Et vous voyez, elle est juste ultra détaillée, ultra belle. Je peux pas vous en dire plus, parce que vous la voyez, donc forcément vous faites un avis vous-même. C'est une pop très très jolie, une pop qui est plus grande que les autres pop,
évidemment la taille de cette pop là, ça peut choquer au début, c'est parce que c'est pas une big size au final, c'est pas une 6 pouces, par contre elle est beaucoup plus grande, donc ça c'est un petit point fort. Derrière, vous avez comme d'habitude les deux petits sabres de Deadpool, et puis que dire à part que c'est détaillé et que ça envoie du pâté, tout simplement, moi je peux pas te dire grand chose de plus. Et la deuxième pop qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un Deadpool, mais un Deadpool très bizarre, un peu efféminé, c'est la Mermaid Deadpool, c'est-à-dire la Deadpool en petite sirène. Voilà, c'est trop cool, on voulait celle-là à tout prix, on voulait la métallique, il y a une version métallique qui sortait normalement et qu'on n'a pas pu choper parce qu'au dernier moment ils l'ont annulée. Donc en gros la version métallique, sur sa queue de sirène, c'était tout métallique, c'était trop beau, et on s'est rabattu quand même sur la normale qui est plutôt jolie. Je vais pas te refaire un topo sur Deadpool puisqu'on vient de le faire, je vais plutôt te présenter la pop directement. La voici, cette Deadpool Mermaid, et dans la main, on n'oublie pas le harpon. Alors le gars, c'est ça qui est très drôle, c'est que le gars c'est une sirène. Donc les sirènes d'habitude elles tapatent en chantant, en se montrant un peu, du coup les gars ils sont un peu envoûtés et après elles te tuent sous l'eau parce que les sirènes ne sont pas gentilles, il faut pas déconner, c'est des pures saloperies les sirènes au final. Et là en fait tu vois la pose de sirène de Deadpool avec sa petite étoile au niveau des nibards parce que c'est super bien fait jusqu'au bout, j'avais même pas fait gaffe qu'il avait des étoiles au niveau des seins. Elle a la petite fleur juste ici et ce qui est cool c'est qu'elle a le harpon, il a un harpon dans la main, parce que Deadpool est badass, parce que même en sirène Deadpool, au lieu de chanter, lui il va tarponner tout simplement. Voilà, il va tarponner. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si vous avez appris des trucs, dites-moi le en commentaire. Si vous voulez m'apprendre des trucs, dites-moi le aussi en commentaire, ça me fera plaisir. À chaque vidéo, vous le savez, moi je vous donne des infos, mais si vous avez d'autres infos, remplissez les commentaires de ces infos, moi je suis très friand de lire tout ça. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, ça me fera très 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 plaisir. Et puis moi je vous dis à très très vite, c'était Jérém, prenez soin de vous, mais avant toute chose, prenez surtout mon code promo POPINEBOX dans la description, moins 20%, vous le savez à chaque fois je le répète, mais c'est pour vous. Allez, à plus, bonne soirée à tous.